avec le club dans un premier temps, c'est vraiment pour créer du lien, rapprocher nos vacanciers, effectivement, qu'ils puissent passer des vacances les plus conviviales possibles, de les réunir, de créer des instants, des moments, de passer du temps tous ensemble en convivialité. Cet hôtel, il a été construit en 2009, mais il a toujours été très bien entretenu et toujours rénové. On a trouvé un petit peu l'hôtel qu'il nous fallait, qui est déjà un petit peu en plus engagé sur les normes RSE, sur plein de niveaux. Donc pour nous, ça faisait partie aussi un petit peu de notre stratégie de développement. Niveau global Voyamar, je pense qu'on va finir 2023 autour de 230 millions à peu près de chiffre d'affaires. Avec toujours les destinations porteuses, États-Unis, Tunisie, etc. Et sur le Maroc, bah pour nous, c'est un gros enjeu, donc avec un gros développement qui est en cours, notamment grâce au Dar Atlas. Parce qu'ils sont attachés, les lettres à part dans l'alphabet, ils sont séparés. Mais quand on veut composer un nom, on doit les attacher et là ils changent de forme.